Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jerry. J'espère que vous allez bien. Oula, j'ai un petit peu tourné là. Ouh. Et en plus, ça rime, c'est magnifique, ça chouette. Alors voilà, on se retrouve pour le vlog qui fait suite donc à la première partie de l'orphelinat. Oui, parce que le vlog qui fera suite à la seconde partie, je le ferai avec. Oui, avec Yoni. Voilà. Donc pour l'instant, il pleut, c'est un peu la misère. Donc dès qu'il fera un petit peu beau, hop, on retournera ça dehors à l'extérieur avec Yoni. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Avant de faire ce vlog, donc je reprends le sport. Ça y est. Oui, attends. Oh, je me vois en vidéo, je fais qu'est-ce que j'ai pris du poids. C'est un truc de malade. Donc ça y est, c'est reparti. Tous les matins, stepper, sac de frappe. On va essayer de marcher un petit peu à pied aussi, parce qu'avec les mains, c'est compliqué. Enfin voilà, je reprends le sport petit à petit. Et je pense que ça ne fera pas de mal. Ah ouais, ça fera pas de mal. Donc c'est cool. Du coup, j'ai pris une bonne douche, ça m'a fait du bien. Ça m'a réveillé et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire le vlog dès maintenant de la première partie d'orphelinat. Donc c'est parti, j'ai préparé un petit peu tout ça. Par quoi on va commencer? Alors je vais vous expliquer. Bon, un petit peu comme d'hab, j'ai envie de dire. Vlog, tu es là, mon petit vlog. Alors bien sûr, les points positifs et les points négatifs de la première partie hein, de l'orphelinat. Ensuite, je répondrai à vos questions. Hein, bah, j'ai pris pas mal de commentaires sous la vidéo. Voilà, qui en est le plus souvent, on va en discuter. Ensuite, je vous parlerai, oui, de mon site, parce qu'il est en ligne, voilà, Jerry, chasseur de fantômes, mais ça, on y reviendra, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Ouais. Et ensuite, la tournée PIB, voilà, parce que je serai le 14 novembre à Tours pour une conférence, pardon, bah, j'étais invité, mais ça, vous le savez, on en reviendra aussi pour ceux qui ne le savent pas, hein. Peut-être pour les nouvelles personnes qui me découvrent. Et on parlera ainsi de l'avenir de chasseurs de fantômes. Alors c'est parti pour les points positifs. Ouais, j'ai marqué le lieu. Bon, en même temps, pas besoin de le marquer. C'est vrai que le lieu, vous avez été tous estomaqués, et c'est le cas de le dire, de trouver un si bel endroit. Magnifique. Ah, il est magnifique. C'est vrai qu'on monte en puissance là. Niveau site, franchement, c'est top. D'autant plus que l'histoire est intéressante. Parce que voilà, la construction d'un riche industriel, comte, le mec il est comte, et belge en plus. Voilà, c'est le mec qui est tout en un. Voilà, donc il a fait ce beau château. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait à ce que j'ai compris, hein, selon les archives, il y avait un château fort médiéval. Voilà, donc je n'ai pas retrouvé d'illustration pour le montrer, malheureusement, mais voilà. Donc il a été rasé complètement pour faire place à ce beau château, voilà, qui a fait office de sanatorium, d'orphelinat, de colonie de vacances. Il a fait un petit peu de tout, je crois. Et donc, il a aussi accueilli des réfugiés alsaciens. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris. Donc, voilà, l'orphelinat est magnifique. Il est magnifique, il est grandiose. J'aurais aimé, franchement, vous le dire, le faire tout seul. Mais on va y revenir, c'était un petit peu compliqué. Donc, l'endroit est magnifique. Ensuite, ce que vous ne savez peut-être pas, j'en ai pas trop parlé, peut-être sur Facebook, c'est qu'en fait, à cet endroit, il y a plusieurs endroits. En fait, je suis arrivé, j'ai fait « Ok, t'as le château, derrière, t'as une clinique, ok. À côté, t'as une infirmerie, ok. Tout ça, c'est abandonné. Hein. À côté, tu as une maison aussi abandonnée. » Je me suis dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est comme ça? What the fuck ?» Et je me suis dit « Bon, là, je vais achever ma saison 1. Là, ça sera le début de ma saison 2. Là, ça sera le deuxième épisode de la saison 2. » Voilà, en gros, je pense que je vais faire pas mal de vidéos là-bas. Voilà. C'est ça qui est étrange, et qui est très bien aussi également. C'est une belle surprise de voir tous ces endroits-là. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais ça, c'est un point positif que voilà, je voulais vous en parler. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué en point positif? Donc voilà, la beauté du lieu, le décor, l'histoire. Oui, alors sinon, pour entrer plus dans le vif du sujet, dans la vidéo, c'est que vous avez aimé le fait que je surmonte ma peur. Que je surmonte ma peur. Ah, c'était pas évident. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, Steve, je serais pas resté 5 minutes de plus, alors que toi, bon, c'est vrai que t'as mis du temps pour y monter, mais tu es monté. Pour savoir un petit peu qu'est-ce qui pouvait se tramer là-haut. Et c'est vrai, ouais, j'y suis monté, à mes risques et périls. Bah, c'était très dangereux. Vous avez entendu très clairement comme moi des bruits de pas. Donc il y avait réellement quelqu'un là-haut. Hein. C'était pas des petits bruits de pas comme on avait entendu avec Yoni par la suite, des petits rongeurs, etc. Non, pas du tout. C'était. Et puis bon. C'était dangereux, mais bon, moi, je voilà, au bout d'un moment, je me suis énervé parce que la personne ne s'est pas
présenté, ne s'est pas fait reconnaître pour me rassurer. Et donc après, moi, j'ai pété une durite. Bon, vous avez aimé aussi, apparemment. Donc c'est pas mise en scène, c'est pas moi qui était, enfin, jeu d'acteur. Non, c'était réellement comme ça, ça s'est passé. Je me suis mis en colère, croyant qu'il y avait quelqu'un et qu'il ne répondait pas, ça m'agaçait. Voilà, parce que j'ai pas fait, comme j'ai dit, 50 minutes aller, 50 minutes retour pour rien. Je me suis déjà tapé 4 heures de route dans la Vienne pour un super château, d'ailleurs délabré comme tout, j'étais écœuré, enfin bref, pour rien, donc l'usure de la voiture, manque de temps, d'argent, etc. Donc voilà, cette fois-ci, je me suis dit non, je reste. Et pour moi, c'était une façon aussi d'exorciser cette peur qui était, voilà, donc de crier cette façon-là. Donc je le répète, c'était pas pour crier sur les esprits, hein. Pas du tout. D'ailleurs, je le dis bien dans la vidéo, je sais faire la part des choses. Si je dis aux potentiels esprits, si je m'emporte, c'est pas par rapport à vous, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est vraiment aux humains qui sont là-haut et qui commencent un petit peu à me chauffer les oreilles. Mais ça se trouve, parce qu'en disant ça, je écarte la possibilité que c'était peut-être des esprits qui faisaient du bruit. Pourquoi pas? C'est vrai, sur le moment, je suis là, dans le feu d'action, pour moi, c'est des êtres humains. Voilà, une tête, deux jambes, trois pieds, ça vous avez adoré. Donc c'est aussi l'un des points positifs que j'ai marqué sur le PC, en note, et oui, voilà, vous avez aussi aimé l'humour, voilà, mon humour, que sur le coup, je calcule pas, parce que je suis vraiment dans l'action, et ça sort comme ça, ça sort tout seul, bon, mais tant mieux si vous avez apprécié, ben, je suis entier, moi, je suis comme ça, il y en a qui vont se limiter, qui vont faire attention à leur image, mais attendez, ils vont enquêter comme ça. Ah, un bruit. Ben, ils vont rester de marbre, moi je peux pas. Moi il faut que ça évacue. Et puis plus le temps passe et plus je prends de l'assurance. Ça aussi vous l'avez remarqué, et puis quelque part c'est tant mieux. Donc vous avez aussi apprécié effectivement les résultats. Alors quand je parle de résultats, je parle de ce que moi je vais relever. Les bruits de pas ne signifient pas que c'est paranormal. On dit ouais, souvent, Jerry ou d'autres enquêteurs ont souvent beaucoup de résultats. Oui, mais ça va être, par exemple, voilà, des bruits de pas ou des ça se trouve c'est des animaux, ça se trouve ce sont des êtres humains, je ne sais pas. Mais je le relève parce que ça me paraît étrange, voilà. Donc je le relève et puis je vous pose la question et puis moi je m'interroge qu'est-ce que ça peut être, voilà. Et puis j'essaie de réfléchir, et puis quand je peux démonter comme j'ai fait dans l'orphelinat, de savoir un petit peu même si c'est dangereux. D'ailleurs je vous déconseille de le faire, mais voilà, j'essaye voilà, de relever tout ce qui me paraît un petit peu incohérent. Et de vous en parler et puis de m'interroger. Voilà. Donc oui, alors, deux, trois personnes m'ont dit, enfin plus pour la partie 2, mais c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu beaucoup de contacts, de phénomènes paranormaux, etc. Alors, pour la partie 2, j'y reviendrai avec Yoni, mais si, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de matière à faire une vidéo, de pouvoir en parler dans un vlog. Mais pour la partie après-midi, il y a eu beaucoup de choses. La nuit aussi, il y a eu, attendez, entre les orbes, entre les PVE, que même moi, j'ai même pas pu tout noter, parce que j'ai eu des problèmes de PC, que j'ai pas pu tout voir et tout entendre, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc les bruits de pas, les tocs, même certains ont vu une silhouette féminine, entre la crie de la... la crie de la maman, oui, la crie de la femme. Certains disent c'est un chat, bon, c'est possible. Un cri d'un enfant, voilà. Moi je dis maman parce que par rapport enfant, femme, enfant, peut-être c'est la maman, peut-être c'est autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de résultats, à mon sens. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont aussi, qui pensent comme moi. Donc c'est très bien. Et puis voilà, en point positif, hein, la qualité d'image et audio qui est toujours au rendez-vous. Et en parlant de qualité d'image, je veux remercier donc Frédéric Tapissier. Je l'ai noté dans la vidéo, c'est lui qui a fait l'introduction de la vidéo, donc ce que vous voyez, voilà, l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. J'ai adoré. Voilà, il fallait que je trouve une transition, il fallait que je change, que je sorte du cadre, que je trouve quelque chose qui me plaise, moi, et qui pourrait aussi vous plaire, vous. Et j'ai pensé à l'espace. Voilà. Et après, je me suis renseigné sur YouTube et j'ai eu cette magnifique vidéo. Alors, j'ai mis le lien de la description de la vidéo en dessous. La vidéo, la barre description, je le répète, et elle sera aussi dans le vlog. Voilà, pour que vous puissiez retrouver la vidéo originale. Donc certains n'ont pas compris, c'est dans les points négatifs, d'ailleurs qu'on va en parler tout de suite, voilà, points négatifs, certains n'ont pas compris l'espace, 2-3 personnes. Mais comme je vous le dis, je voulais quelque chose qui sorte de tout ce que j'ai pu faire, je voulais
avoir cette transition. Bien sûr, j'aurais pu très bien faire comme je fais habituellement, voir que mon intro à moi, Phantom Jerry, avec le titre de l'épisode, avec mon intro à moi, et puis voilà. Non, je voulais un truc, alors qu'il y ait ça, mais aussi quelque chose de beau et qui fasse une belle transition. Voilà. C'est vrai qu'on voit cet univers, notre voie lactée par la suite, le soleil, la terre. Et puis hop, on rentre dans la terre, hein, on atterrit dans un désert, le cas je sais pas. Et puis hop, on bascule sur mon visage, je crois, ou sur le manoir. Et puis voilà, je trouve ça poétique, magnifique. Bon, t'as un peu compris le sens, je suis désolé, je l'explique, alors j'espère qu'ils comprendront mieux. Voilà. Mais voilà, donc c'était c'est en point positif et en point négatif pour ces raisons que j'ai évoquées. Parce que les perdants n'ont pas tellement compris. Ah oui, alors point négatif, forcément, la découverte des lieux qui est incomplète, j'en suis désolé. Ça ne me ressemble pas de quitter les lieux comme ça. Mais là, c'était vraiment chaud du slip. Pas que j'avais peur que ce soit un esprit. Franchement, pour moi, c'était quelqu'un. J'ai imaginé, dans ce genre de situation, tu imagines tout. Tu dis, ouais, ça se trouve, c'est des squatteurs, c'est des SDF, des terroristes, enfin, tu deviens parano, quoi. Alors, c'était peut-être le cas ou pas. D'ailleurs, on ne le saura jamais. Hein. Certains m'ont dit que je l'ai bu, voilà, on voit très bien sur la table au rez-de-chaussée une bouteille de jus de fruits, je crois, une bouteille de pinard et un petit peu partout, des clopes, donc on peut supposer que cet endroit a été peut-être habité. Et puis j'aimerais aussi rebondir sur quelque chose, surtout ne faites pas ce que je fais. C'est très dangereux, dans la partie 2 vous l'avez vu, on est tombé sur des gentilles personnes, on aurait pu très bien tomber sur des squatteurs, des SDF ou des gens bourrés ou qui... ou des psychopathes, où on ne sait pas sur qui on peut tomber, donc ne faites ça jamais seul, même à la limite n'y allez pas. Alors je sais, c'est un petit peu en contradiction sur ce que je disais à l'époque, « Ah, vous ne croyez pas sur mes résultats, sur ce que je fais, eh bien, allez sur place, comme ça vous vivrez vous-même vos propres expériences, etc. » Maintenant, plus je fais d'épisodes, et plus je suis sur le terrain, et plus je me dis, surtout n'y allez pas. Vous ne croyez pas, c'est une chose, mais surtout, ne risquez pas votre vie, parce que la personne ou les personnes qui s'y cachent, qui squattent, peut très bien avoir une arme, couteau, on ne sait pas des fois. Alors, certains m'ont dit, et vous avez raison, si tu enquêtes tout seul, c'est dommage, on devrait bien à deux, avec Yoni en plus, en l'occurrence, c'est vrai, il était très professionnel. Mais si tu vas seul, prends sur toi une bombe lacrymo, moutarde, on m'a un petit peu tout dit. Et c'est vrai, vous avez raison. Alors, j'ai pas les moyens pour. Alors, j'ai pas envie de faire le miskin, mec, donnez-moi de l'argent. Non, pas du tout. Mais je vous dis la vérité, j'ai pas les moyens d'acheter ça pour le moment. Alors, je sais que dans mon sac, alors, j'ai tout le temps avec moi un petit couteau, un truc comme ça c'est pas cher. On a tout un couteau chez soi. Ça me fait chier d'emporter parce qu'imaginons qu'il dit, voilà, on peut très bien faire des bêtises avec, mais c'est vrai qu'il faut anticiper la moindre réaction des gens ou des fous qu'il peut y avoir, on sait pas. Mais il faut se protéger, voilà. Mais n'y allez pas, voilà le conseil que je peux avoir, c'est pour vous, moi ça me protégera aussi, parce que j'ai pas eu comme dit Steve, c'est à cause de Jerry voilà, que j'ai fait ça, n'y allez pas, pour votre sécurité, etc. C'est très important. Point négatif, mais le fait que je sois seul, donc la sécurité, que j'ai rien sur moi, donc j'ai un petit couteau, mais bon c'est pas un couteau suisse, avec ça on peut aller loin. Et puis voilà, du coup, en point négatif, c'est vrai que beaucoup entre vous, enfin c'est un point négatif, qui va rebondir sur un point positif, c'est qu'on reste sur notre fin. C'est qu'effectivement, je n'ai pas englobé la partie 2, j'aurais pu très bien le faire, d'ailleurs c'était prévu, mais mon PC n'a pas suivi la route. Plus j'ai un fichier volumineux, plus un fichier vidéo va être volumineux, plus mon PC va galérer, et moins je vais pouvoir travailler confortablement. Voilà ce qui s'est passé, donc j'ai dû couper en deux. Et c'est bon, apparemment c'est pas plus mal. Ça fait un petit suspense à la fin, mais vous êtes resté sur votre fin. Voilà, j'en suis désolé. Et puis voilà, donc en parlant de ça, parce qu'en fait j'en ai parlé sur Facebook, comme quoi je galère mon PC portable. Ça fait longtemps que je galère mon PC portable, hein. Là, il est ici, c'est celui-là. Mais vous le connaissez déjà. Et donc il y a une personne qui s'est dévouée, il m'a dit Steve, écoute, il s'appelle Pierre, d'ailleurs je fais de gros bisous à Pierrot, qui m'a dit Steve, écoute, on s'appelle, de quoi tu as besoin? Écoute, j'ai besoin, on se franchise d'un bon PC. Écoute, ton PC portable, il fait combien de RAM? Écoute, je lui dis, il fait 4 Go. À combien tu peux monter? Celui-là, il monte jusqu'à 12. Pas de souci, je vais te commander avec le modèle, etc., les pièces qu'il faut, des barrettes de RAM. Très gentil. Il me demande rien, il me l'offre. Voilà, il veut que je continue l'émission, mais très gentil, t'as pas. Voilà. Donc, je vais, dans les prochains jours, normalement, recevoir 8 Go de RAM supplémentaires que je vais greffer sur l'ordinateur. Et avec un peu de chance, je vais pouvoir travailler. Tranquillement, sans que ça bug, sans que... Voilà. Et ce qui fait que j'ai
Et j'ai vachement oublié de choses dans l'analyse. Beaucoup d'entre vous ont capté des PVE, voilà, des orbes, cri d'une femme, cri d'une maman, cri d'un enfant ou d'un chat, etc. Voilà, ce qui fait que j'ai oublié pas mal de choses. C'est pas ma faute, c'est dû au PC. Voilà, j'en suis désolé. Et merci Pierrot. Et d'ailleurs, en pensant à Pierrot, il m'a fait part d'une chose que je ne l'oublie pas. Il m'a dit, Steve, si tu pouvais passer le petit message suivant, donc à Florian et à Thibaut, et à Caro, n'ayez pas peur des fantômes. Voilà, je le retiens, je crois que c'est ça. Voilà, qui n'ait pas peur des fantômes. Donc, oui, n'ayez pas peur des fantômes. Alors, le truc, c'est que, il faut dire, voilà, j'ai envie de dire ce que je pense. Enfin, si, n'ayez pas des fantômes. Non, mais dans le sens qu'on n'allait pas dans les endroits hantés, quoi. Alors, je sais pas quel âge ont tes enfants, tes petits-enfants, je sais pas si c'est le cas. Mais s'ils sont jeunes, n'ayez pas peur des fantômes. Mais après, s'ils sont ados, et que eux aussi, ça leur prend de faire un petit peu comme tout le monde, de se faire peur avec une planche obligée, là, je les conseille à 200%. Surtout, ne faites pas de choses comme ça. N'y allez pas seul, n'y allez pas. Mais si vous êtes tout bébé, comme ça, ou 5-6 ans, c'est pas méchant, les fantômes. Voilà, ils sont mignons, ça n'existe pas les fantômes. Eh, Caro ? Caro est plus grande, mais Caro... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà. Ouais, je suis comme ça, ouais, je suis un peu foufou. Donc, gros bisous à Florian, Thibault et leur maman Caro, qui n'aient pas peur des fantômes. Voilà, merci Pierrot à toi pour ta générosité. T'es pas obligé, voilà, mais voilà. Il y a aussi une autre personne qui va m'envoyer une caméra infrarouge. Voilà, sans que je demande, mais c'est gentil. Mais c'est parce que vous êtes beaucoup à me dire, Steve, ouais, à quand la caméra infrarouge ? Et j'aimerais bien. J'ai une petite caméra sport que j'ai trafiquée pour la mettre en infrarouge, d'ailleurs que vous l'avez vu dans la partie 2, et c'est Yoni qui la tient comme ça. Malheureusement, j'ai pas les torches qui vont avec. Mais même, voilà, c'est pas une caméra. C'est une caméra à moi qui m'a coûté 45 euros. Bon. Mais moi, j'aimerais avoir une petite caméra, tu vois, qui tient la route. Après, bon, vous comptez 500, 600, 700 euros. On verra plus tard, hein, quand j'aurai les moyens. C'est pas à l'heure du jour, mais on devrait m'en envoyer une dans les prochains jours. Voilà, donc c'est gentil, merci à Jérémy de ce petit cadeau inopiné, inattendu, c'est gentil. Voilà, merci à vous tous. Mais finalement, c'est pas très négatif, c'est plutôt positif. Mais je partirai autre chose en même temps. Alors, sinon, revenons un petit peu à nos moutons. On va répondre tout de suite, je pense, aux commentaires que vous m'avez laissés. Fossoyeur, qui me dit « C'est incroyable la rapidité avec laquelle tu postes tes enquêtes paranormales, plus vite que ton ombre, c'est vrai. » Bravo et merci pour ton travail, tu as refait ma soirée là. Fossoyeur, si je dis pas de bêtises, attends, tu vois bien, j'ai pas les logos. Fossoyeur, je pense que tu as... Parce qu'en fait, je réponds à tout le monde sur YouTube. Je réponds maintenant à tous les commentaires. Merci beaucoup, c'est gentil, merci, je suis ravi. Et donc, Fossoyeur, si je ne m'abuse, tu as une icône YouTube, enfin un logo avec GTA 5, me semble. De mémoire. Donc, tu dis, effectivement, j'ai sorti, je crois, ces 5... épisode avec une contre-enquête cet été, de juin à maintenant. J'ai pas arrêté, j'ai passé tout l'été dans mon garage, j'ai pas eu le soleil malheureusement, ou très peu, très très peu, et l'automne je crois que c'est pareil, je vais pas le voir passer parce que la saison 2 j'ai envie que ça commence à partir de maintenant, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je fais la vidéo, je la mets sur YouTube, et après je pars en enquête pour la saison 2, yes. Donc oui, je bosse comme un fou, et c'est pour ça que j'aimerais que ma passion devienne un travail, et vice-versa, dans un sens c'est pareil. Voilà. Et j'en parlerai après. Et merci à toi de l'avoir relevé, d'avoir compris, de voir que je poste énormément de vidéos, j'espère de qualité, pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir, faire plaisir à tout le monde, parce que j'aime ça. Voilà. Il faut être passionné, déterminé, il faut être... faut rien lâcher, quoi. Voilà. Anticom, OMG, cette intro m'a donné la chair de poule, bravo, j'adore. Ouais, l'intro est magnifique. Donc là, de Frédéric Tapissier. Alors, ce qui est marrant, c'est que je lui avais envoyé un message à Frédéric avant que j'utilise la vidéo. Il m'avait pas répondu, enfin, il l'avait pas vu, sur le coup. Il m'a répondu que hier. Il m'a dit, écoute, merci de m'avoir prévenu, c'est gentil, etc. Je remets la batterie pour le PC. Et donc, du coup, j'ai fait le lien de ce que je faisais, et il m'a pas répondu par la suite. Peut-être qu'il était un petit peu préoccupé, ou je sais pas, ou qu'il faisait autre chose. Mais en tout cas, ça ne le dérangeait pas, et tant mieux. Voilà. De toute façon, j'ai mis, comme je vous expliquais, ça s'appelle le nom commercial. Hein. Et en dessous, j'ai mis le lien de sa vidéo originelle, et j'ai marqué le nom de la personne qui avait fait l'intro. Voilà, pour ça, je pense que c'est carré, c'est très bien. Pour ça, vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube. Donc, ouais, une super intro, magnifique, l'univers, moi, je kiffe l'astronomie.
et non pas la gastronomie, même si j'aime beaucoup manger, et d'ailleurs trop. Il va falloir que j'y remédie, d'où le sport. Xeraptor, donc qui n'a pas trop compris l'intro de l'espace, ben, je vous l'ai expliqué, je voulais vraiment sortir du cadre, vous offrir quelque chose de nouveau. Ouais, j'ai pensé à ça. Voilà, j'ai pensé à ça. Arnaud P, à 31 minutes 47, c'est précis. Un enfant qui crie ou un chat? Difficile à dire. En tout cas, il y a bien quelqu'un dans ce château. On voit en bas sur la table une bouteille de jus de fruits, un paquet de clopes. Par contre, quand tu étais à l'étage, excusez-moi, je m'attendais à voir débouler un sanglier, lol. T'as relevé des grognements bizarres plus tôt dans la vidéo. Pas facile cette enquête. Oui, pas facile cette découverte des lieux. Enquête finalement. Donc voilà, vous êtes nombreux à avoir noté le minutage dans vos commentaires et puis avoir relevé ça, orbe, cri, femme, enfant, machin chose, etc. C'est vrai, il y a énormément de choses dans cette première partie. Donc comme quoi, il ne faut pas attendre la nuit pour des manifestations, à moins que ce soit d'ordre naturel, enfin peu importe. Après ça, on peut très bien en débattre. Et quoi qu'il en soit, là, que ce soit là, pour moi, que ce soit l'après-midi ou la nuit. Je veux dire, s'il y a des esprits, ils parleront, quoi. Ils communiqueront. Ça c'est clair et précis. Mais oui, alors tu as noté une chose, c'est qu'effectivement, tu croyais voir un sanglier qui allait débouler à l'étage. Oui, tellement que l'activité était forte, c'est vrai. C'est vrai, moi-même, bon, c'était pas un sanglier que je pensais voir apparaître, c'était plus une personne, voire plusieurs. Mais voilà, je suis content que l'effet que je voulais soit vraiment transmis, que vous l'ayez compris. C'était chaud. C'était tendu du slip. Hein. C'était tendu du slip. Mais j'ai su surmonter ma peur et c'est cool. Bon, je suis pas resté longtemps parce que trop, c'était trop. Une atmosphère pesante envahissait le truc. Puis moi, j'étais pas à l'aise. Je suis parti. Bof, terminé. Donc voilà. Olivier Dumanski. Bonsoir Jerry, bonne connaissance des lieux, merci. Dès le début, on entend clairement les pas à 31,50. Alors, hein. À 31,59,55, joie énorme, descente d'escalier. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu as un escalier. Moi, je suis en face d'escalier, en bas au rez-de-chaussée. Et tu vois, alors, une orbe, oui, un insecte, on ne sait pas, quelque chose qui traverse très rapidement de haut en bas et qui atterrit derrière moi, qui suit son chemin, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est un insecte, une orbe, quelque chose d'irrationnel? Je ne sais pas. Pour moi, c'est plus une orbe. Ouais, c'est pas trop. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. À 31,59,55. Très exactement. À 39,31, quelqu'un te répond en disant ouais, et 49,53, je vois une brume, une silhouette plutôt féminine. Je te suis depuis tes débuts, l'un de tes premiers abonnés. Merci beaucoup, tu as du courage et beaucoup de volonté à faire tout ça. Beaucoup de monde partirait en courant. Bonne continuation et vivement la seconde partie. Ben, tu as tout résumé. Cette enquête est très riche en phénomènes. Ça, je le dis depuis tout à l'heure, c'est vrai. Vous l'avez remarqué. Il faut beaucoup de courage et surtout beaucoup de passion pour faire ce que je fais. Et beaucoup d'inconscience, je me rends compte. C'est très dangereux. Mais voilà, celui qui veut faire le buzz, ne vous inquiétez pas, il n'ira pas faire ce que je fais. Croyez pas qu'il va rester 2 heures ou plus de 2 heures dans un château ou un truc comme ça. Croyez pas qu'il va rester tout l'été enfin dans son garage pour analyser et monter un épisode. Celui qui veut pas se faire chier et qui veut faire le buzz, pour l'autorité, pour les abonnés, que ce soit, il fera des classements, des tops, ou il se foutra en single borate comme je l'ai fait l'année dernière. Voilà ce qu'il fera. Mais il se fera pas chier, on ne fait pas ça pour le buzz. C'est vraiment une passion. Voilà. Je le répète pour ceux peut-être qui ne le comprendraient pas, mais c'est vraiment une passion. Les résultats, c'est du plus pour moi. Je veux dire, je ne suis pas là pour prouver qu'il y a des fantômes, ça existe, que je leur parle. Ah non, je ne suis pas mystificateur, je ne sais pas comment on dit, ou un gourou. Ah non, moi je suis là pour vous montrer ce que je vis, vous le partager, et partager surtout ma passion. Du montage, la passion de l'histoire, la découverte des lieux, voilà, de narrer un petit peu pour faire découvrir de nouveaux endroits que vous verrez pas forcément à la télévision. Voilà, moi c'est voilà, c'est tout ça que j'aime. Et aussi animé, voilà, dessin animé, voilà, tout ça. Ouais, je parle vite, je fais vite, en même temps les gamins peuvent rentrer à tout moment. C'est pour ça que je fais vite. Non, merci beaucoup. Ensuite, Fabien Plus, salut Jerry. En général, je l'entends pas. J'entends que rarement les PVE et autres sons que toi tu entends. Mais à 22 minutes 15 secondes, on entend la voix d'une femme. Après, je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais il y a forcément un son bizarre. Alors, tu n'es pas le seul à avoir relevé cette information. 22 minutes 15, effectivement, on entend un cri bizarre, effectivement. Difficile à dire. Est-ce que c'est d'ordre animal? Est-ce que c'est un chat? Un loup? Un renard?
On est en plein bois, donc même si je suis à l'intérieur, dehors ça vit. Voilà, ça vit. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, mais tu l'as relevé, je te remercie, en tout cas. Alors tu me dis qu'en général, tu n'entends que rarement les PVE. Ben moi, je les entends bien. D'où pourquoi je les souligne. Mais des fois, voilà, je ne peux pas tout entendre. Et je suis content que tu l'aies entendu, toi et d'autres. Voilà. Merci, alors merci, j'insiste, merci beaucoup pour vos analyses. Parce que vous mettez les minutages, vous me disiez ce que vous entendez. Enfin bref, vous êtes vraiment très précis. Et ça, ça me fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. José, alias Toto la Mouche, qui me dit: je suis pas un PD, je suis un Fréjac, bordel! La peur, je connais pas, tu m'as tué. Ouais, c'est vrai que voilà, on peut avoir des réactions tout à fait étonnantes lors de découvertes des lieux. Mais moi, ça m'est arrivé à moi, voilà. J'aurais pu très bien partir, contrôler mon image, me dire: non, si tu dis pas ça, tu vas passer pour un dingo. En même temps, j'en ai rien à foutre. Je dis tout haut ce que je ressens tout bas. Ouais, et où ce que j'entends tout haut, je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, voilà, je voulais. Mais j'ai réagi comme ça, voilà. Ça peut très bien le couper, me dire: non, si, cette partie-là, non. En même temps, non, je me suis engagé à tout vous montrer. Donc, à partir de ce moment-là, je vous montre tout. Même les parties de moi qui font bien chier, parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu, même si je vous fais marrer pour certains, voulu vous montrer autre chose, mais bon, ça s'est passé comme ça. Voilà. Ou une tête, deux jambes, trois pieds, ça vous a fait marrer aussi. Et quand je dis: bon, maintenant ça suffit, alors, ce qu'on va faire au pire des cas, c'est que là je m'en vais. Pour la partie nuit, ce qui serait bien, c'est que vous me filez votre Facebook, je vous envoie un message, et comme ça quand je vous n'êtes pas là. Voilà ce que je dis un petit peu. Mais bon, sur le coup, c'est pas marrant, hein. C'est que vraiment j'ai envie de faire cette enquête de nuit, de jour, d'après-midi, mais que voilà, je suis un petit peu empêché par cette activité suspecte. Voilà. David Schmidt, salut Jerry, une tête, trois jambes, tu m'as tué, voilà. Passer par la colère pour contrôler la peur, oui, c'est possible. Si on fait un petit peu psychologie, peut-être c'est ça, je sais pas. Bonne façon de faire, excellent l'ami, continue de mieux en mieux. Fais gaffe à toi, t'as bien fait de revenir accompagné, exactement. Hâte de voir le 2, merci à toi, et pouce bleu, bien évidemment. PS, t'es courageux, vrai dans tes démarches, t'as rien à prouver, t'as rien à envier à certains comme le G. Ouais, ok, j'ai compris. C'est vrai, non, c'est quand on est vrai que l'on obtient des choses. Bravo, continue, merci. Alors, c'est quand on est vrai que l'on obtient des choses. Long débat, mais en tout cas, je pense que, effectivement, pour moi, ma théorie serait de dire que si on a une démarche respectueuse envers les esprits ou les lieux, etc., on ne peut qu'obtenir des résultats. Alors, ce n'est pas une science exacte, hein, ce n'est pas forcément obligé, mais je veux dire par là que si on est vrai, si on est soi-même et si on est dans une démarche pacifique pour comprendre, ce qui a pu se passer, se produire dans ce château, rentrer en communication avec les esprits, en leur parlant doucement, gentiment, etc. Une forme de psychologie quelque part, oui, je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'établir un contact dans des phénomènes qu'une personne qui rentre pour le buzz. Bon, voilà, allez, puis on filme, on s'en fout, et puis on se casse. Non, ça se passe pas comme ça, je pense. Je pense. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais voilà, je pense que tu as raison sur ce point. Après, chacun son style d'approche du paranormal, hein, ça c'est autre chose. Florian Autier, chapeau, c'est l'épisode le plus angoissant de la série. Je suis abonné à toi, merci beaucoup. Ouais, il est très angoissant, vous avez pu remarquer. Excusez-moi, depuis quelques temps, genre 3 mois, je suis un grand passionné de tout ce qui touche au paranormal et à l'urbex, bien entendu. Vivement la sortie du deuxième épisode et bravo encore pour tes vidéos et bon courage à toi. Merci beaucoup. Alors, j'ai voulu faire un petit mélange d'urbex aussi dans cet épisode, parce que c'était un grand château, un grand orphelinat, etc. Et donc je me suis dit, bon, en même temps, ce que je fais, c'est un peu de l'urbex, hein, d'arriver, d'explorer des lieux, que ce soit une vieille église, un vieux cimetière, un vieux tunnel, une vieille maison, etc. C'est de l'exploration urbaine, c'est de l'urbex que je propose. Mais là, j'ai vraiment accentué, et je l'ai fait plus avec Yonini à la partie nuit. Mais je suis content que tu apprécies ce style-là. Donc, il y a un petit mélange d'urbex, de découverte historique, d'enquête paranormale et de moi-même. Donc, ça donne tout ça. Et ça fait ce que je fais. Donc, apparemment, vous aimez. Et tant mieux, je suis content. Alors, Kems, 7S, énorme, grosse pression tout le long. Grave. Super première partie de Jerry. Merci beaucoup. Il te faudrait une lacrymo, car là, tu nous fais flipper pour ta sécurité. Exactement, je vous l'ai dit. Ouais, il me faudrait carrément un truc comme ça. Je vais voir ce que je peux faire. Ça va être dur d'attendre une semaine pour la partie 2. Alors, j'avais dit oui, bon voilà, mettez-moi un max de likes pour la partie 1, et comme ça, moi, si on arrive genre à 1000 likes, je vous balance la partie 2 au bout d'une semaine, ce qui fait que je l'ai mis en 6 jours, la vidéo. La partie 2 a été mise au bout de 6 jours.
Donc c'est encore mieux que dans les délais prévus. L'heure marquée est tant mieux. Donc je suis content que vous avez... J'ai tenu promesse et c'est super, tout le monde est content. Alors, univers des légendes ésotérisme, me dit, sympa ton enquête, tu as ton propre style, continue. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on commence une émission ou des vidéos, on est toujours influencé par cet enquêteur ou d'atmosphère ou un genre d'émission, etc. Après, petit à petit, c'est vrai qu'on trouve sa patte, ce qui fait soi, hein, j'ai envie de dire. Et j'en suis content, vous l'avez remarqué. Alors qu'est-ce qui fait que moi est différent des autres? Mais au montage, ça va être ma personnalité, forcément, ma personnalité. Vous me trouvez... beaucoup de commentaires me disent, tiens Steve, avec toi, ce qui est sympa, c'est qu'on passe, on passe du rire aux larmes, enfin du rire, on flippe pour toi, on est angoissé, on se marre un petit peu, enfin il y a un petit peu de tout. Mais je suis content que ce soit positif. Ça peut très bien être négatif, parce que qui dit enquête paranormale, bon, le mec, faut... Alors, je suis sérieux dans mes démarches, mais bon, le mec, faut pas qu'il rigole. Alors, comment expliquer? Forcément, je veux pas rigoler dans une enquête. Déjà, on rigole pas. T'as pas envie de rire quand tu te trouves dans une maison où il y a eu un quintuple meurtre. Ça, c'est sûr. Mais ma façon de faire, apparemment, vous fait marrer. C'est ça que je veux dire. Donc, je suis content que, pour certains, ça vous fait marrer. Pour d'autres, vous avez peur. Il y a un petit peu de tout, donc c'est cool. Voilà. Je fais vite encore une fois parce que ça peut, les nuages peuvent rentrer à tout moment. C'est pour ça. Je parle un peu vite et puis même je parle vite dans la vie. La région le veut, la famille le veut. Voilà, il faudrait que je me règle un petit peu, que je parle tout doucement comme ça pour que vous puissiez me comprendre. Allez, Mathieu Gorlière, est-ce que ça serait possible pour toi que tu m'envoies un avant pour l'avant-première de ton deuxième épisode? Alors, ça ne sera pas le cas pour la partie 2 parce qu'elle est déjà en ligne sur YouTube, mais ça sera le cas. Et ça sera l'un des changements majeurs de l'émission, c'est que de la saison 2, premier épisode, vous pourrez voir mes épisodes en avant-première et en HD. Comment? Eh bien grâce à ma petite poule Jordan, à qui je fais de gros bisous, et qui pour moi est un génie du web. C'est un putain de génie ce mec, il m'a monté un site en quelques temps, en très peu de temps, un site très sécurisé, très beau, magnifique comme tout. Je vais vous le montrer. Et vous pourrez bien sûr, pour 2€, voir... en avant-première, mes épisodes. Et 7 jours après, gratuit sur YouTube. Pour vous, ça ne change strictement rien du tout. Enfin, si, j'ai une personne qui m'a dit « Steve, comment ça se fait qu'une personne verrait l'avant-première et pas nous, même s'il paye ?» Mais c'est quand même normal. La personne qui me suit, enfin, qui me soutient financièrement, pourrait voir la vidéo avant-première. Voilà. Mais bon, ça ne change rien pour vous, parce que vous la verrez gratuitement. Allez, je vous montre le site. Voilà. Il est là. Que je vous explique. Ici, jerrychasseurdefantômes.fr. Voilà, c'est mon site. Le logo viendra par la suite. Là, c'est rien parce que j'ai jamais marre. La photo d'accueil pour l'instant. Donc là, on est sur la partie 2. Donc l'accueil, vidéo, galerie, VIP, contact, connexion, inscription. Alors, vous pouvez vous inscrire gratuitement. On est déjà à près de 150 membres sur le site. 150 inscriptions. C'est un truc de ouf. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. Je mettrai le lien du site dans la barre de description sous la vidéo. Voilà. Alors, une fois que vous êtes inscrit, et quand je vous le dirai par la suite, alors, vous êtes inscrit là, vous ferez connexion. Voilà. Login. Voilà, moi, ça cherche. Voilà, je suis connecté sur le site, d'accord? Et on voit apparaître les boutons suivants. Contact, déconnexion. Bon, administration, c'est pour moi qui suis le... la personne qui gère le site avec la personne qui me l'a fait, et vidéo VIP. Vous, quand vous serez connecté sur le site, vous ne verrez pas ni administration, ni vidéo VIP. Vous verrez VIP. VIP, c'est quand moi, je vous dirai, voilà, l'épisode 1 de la saison 2 est en ligne sur le site. Vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui le veulent, la voir en avant-première. Comment on fait? On fait qu'on appuie sur VIP. Pouk. Alors moi ça vous marque, vous êtes déjà VIP vu que voilà, mais vous ici vous verrez marqué devenir VIP. Vous appuierez sur devenir VIP et ça vous dirigera automatiquement sur le lien PayPal. Vous n'aurez plus qu'à payer 2€ et ensuite une fois que c'est fait, ça vous dirigera ici. Et là à ce moment-là précis, vous verrez vidéo VIP. Là vous l'aurez. Et quand vous aurez vidéo VIP, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et vous aurez la vidéo en HD. Et vous pouvez l'avoir très bien sur l'avoir sur un smartphone, vous pouvez l'avoir sur une tablette et vous pouvez aussi la regarder sur votre PC, relié à votre télévision par exemple. Voilà.
tout ça en haute qualité. C'est pas génial, moi ça me permet de continuer mon émission, voilà. Parce que faut pas se leurrer, moi je travaille pas à part ce que je fais, pour moi c'est du travail, c'est mon boulot, voilà. Et on verra bien ce que ça donnera. Voilà. En tout cas, inscrivez-vous, c'est gratos, et puis je vous dis un jus pour la suite. Mais sinon, la démarche pour voir une vidéo en VIP est très simple. Voilà. Donc c'est un super site, je suis très heureux. Voilà. Donc ce site-là évoluera, il y aura par la suite un forum qu'on mettra en place, pour parler directement sur le site un petit peu, pour débattre de certaines choses, certains phénomènes, je sais, sur ce que vous souhaitez. Et c'est très bien, voilà. Ensuite, ça c'est un petit peu la grande chose de ce vlog que je voulais vous montrer, qui est très important, mais qui pour vous ne va rien changer, absolument rien, je me répète, je sais. Alors, donc si je prends un petit peu ce lendemain, c'est qu'en fait j'ai fait du sport tout à l'heure et du coup je suis un petit peu comme ça. Ensuite on continue. Mais j'ai répondu aux questions pour la première partie. J'ai tout dit. Oui, j'ai pas dit. Alors la tournée PIB des enquêteurs belges qui m'ont invité le 14 novembre à Paris. Il est fort à Paris. J'aimerais que ce soit à Paris. Non, c'est à Tours et j'aime aussi Tours. C'est pas grave, je vais être partout. Bon voilà, c'est à Tours le 14 novembre. En compagnie de l'équipe PIB, de Mickaël, voilà. On va parler de paranormal dans une conférence. Voilà, on est déjà près de 200 personnes. Vous pouvez encore vous inscrire. Le lien de réservation ce sera en dessous de la vidéo dans la description. Donc, du coup, il y aura beaucoup de liens. Voilà, à ce que j'ai compris, et ce que vous avez compris aussi, pour réserver votre place. Et il est possible aussi qu'il y ait David du paranormal du 24 qui soit là, avec, à mes côtés, à nos côtés. Donc, ça serait super. Je vous en dirai plus. La prochaine fois quand j'aurai toutes les informations. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc les réservations se clôturent, je crois que c'est mi-octobre, un truc comme ça, donc faites vite, n'hésitez pas, comme ça vous pourrez me voir, je pourrai répondre à vos questions, parler de mes expériences et ceux de PIB, etc. à côté de moi et Mickaël. Et qu'est-ce que je veux dire par là, je sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, pour l'adresse, donc je le saurai quand les réservations seront clôturées et je vous transmettrai l'adresse exacte à Tours où ça se fera. Voilà. C'est bien. Ne vous inquiétez pas. Tout est carré, tout avance petit à petit. Et voilà, et finalement, j'ai fini le vlog. Ça a duré combien de temps? 37, ouais, 30, plus de 30 minutes. Ça suffit, après, plus de 40 minutes, c'est peut-être trop long pour vous, etc. Donc. C'est très bien. Il y aura aussi, je parlerai de ma seconde story time dans les prochains jours. Vlog avec Yoni dans les prochains jours. Et saison 2, voilà, qui va commencer plus vite que vous ne le pensiez. Parce que je suis hyper motivé, je suis un passionné, je suis moi. Voilà. Je vous fais de gros bisous, c'était Jerry, portez-vous bien. Et encore une fois, je le répète, ne jouez pas avec la Ouija. Et on s'entend quand je parle de jouer, c'est-à-dire n'utilisez pas la Ouija, ça peut être très dangereux. Voilà. Et de deux, on y reviendra là-dessus, on fera beaucoup de prévention donc, avec Mickaël de PIB en conférence. Et n'explorez pas des lieux abandonnés, ça peut être très dangereux pour votre sécurité, pour vous, on peut faire un malaise, enfin des mauvaises rencontres, on peut tout faire. Voilà. Je ne le dirai jamais assez, si je peux vous préserver de ça, tant mieux. Voilà. Ne prenez pas exemple sur moi. Voilà. Je vous fais de gros bisous, c'était Jerry, et je kiffe putain.